Bonjour à tous. Alors, la partie que vous allez voir fait suite à la magnifique partie jouée par Anderson contre Kieseretsky. Alors, si vous n'avez pas vu cette partie, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à cette vidéo. Alors, Anderson va jouer une nouvelle partie incroyable que l'on nomme la toujours jeune ou l'Evergreen. Alors, Anderson a les blancs, il ouvre du Pion roi par E4, Dufresne répond E5. Et dans la première partie, celle contre Kieseritzky, Adolf Anderson nous avait gratifié du Gambier roi du coup F4. Mais là, ça ne va pas être le cas, ça va être Cavalier F3, un coup classique qui permet d'attaquer le pion central. Alors, Dufresne joue KLC6 et défend le pion de 5. Et Fou C4. La partie italienne avec la mise en place du Fou qui vient tout de suite pointer la faiblesse du pion F7, qui est seulement défendu par le roi. Mais Jean Dufresne limite, il joue Fou C5 et il pointe lui aussi la faiblesse du pion en F2. Et là, Adolf Anderson va jouer ce qu'on appelle le Gambi Evans. C'est Evans qui avait inventé ce coup B4. Alors pourquoi c'est un Gambi Puisque les Blancs vont offrir un pion euh, dans le but d'avoir des compensations, bien sûr. Ils n'offrent pas le pion pour rien. Donc c'est évidemment le fou qui va prendre en B4. Alors qu'est-ce qu'ils ont obtenu, les Blancs, en compensation de, du pion qu'ils ont sacrifié Eh bien à la fois, ils ont détourné le fou de son action offensive sur le, sur le pion F2. Et à la fois, le fou peut être pris pour cible par la poussée C3. Et le pion C3 peut appuyer la poussée D4 après. Et puis, si vous avez mis le pion C3, vous libérez cette diagonale, cette petite diagonale pour la dame blanche, pour qu'elle vienne en B3 s'associer au fou dans l'attaque du pion F7. Donc, pour le prix d'un pion, les blancs vont dégrader l'activité des, des pièces noires et euh, augmenter la leur. Alors, C3 a été joué, comme attendu. Et là, le fou, il a plusieurs cases de repli, mais ici, Dufresne va le replier en. En A5. Et on pourrait se dire que du coup, la poussée des 4 est fausse, puisque les noirs pourraient prendre et le pion pourrait pas reprendre à cause du clouage. Et pourtant, Anderson, il va jouer des 4. Bon, bah, alors, les noirs prennent. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas reprendre du pion, mais on pourrait reprendre du cavalier. Mais Anderson ne reprend pas. Il joue petit rock. Alors, pourquoi fait-il cela euh, Vous comprenez, euh, les blancs euh, cherchent vraiment à tuer leur adversaire dans l'ouverture. Si les Noirs prennent maintenant en C3 par exemple, on va jouer Dame B3, on va attaquer le pion en F7, en même temps le cavalier pourra prendre le pion en C3, euh, le fou pourra également venir en A3 pour avoir une balle diagonale, euh, et dès qu'on a fait qu'elle est en C3, fois 3, les tours sont en liaison, et on est en train de prendre de vitesse les Noirs, alors certes on a concédé des, euh, de, du statisme à l'adversaire, dans le sens que l'adversaire a plus de pions, donc euh, il aura une position, si les Noirs arrivent à stabiliser la position, ils auront des, des finales supérieures, mais le risque qu'ils encourent, c'est de rien pouvoir stabiliser du tout et de perdre dynamiquement dans cette ouverture, dans ce milieu de jeu qui, qui va avoir lieu. Donc c'est risqué aussi pour les Noirs de, de jouer au manche-pion, de, de manger tous les pions, de ne pas se développer et d'encourir de, le risque de, de prendre une attaque de maths en fait. Alors dans la partie après Petit Rock, les Noirs n'ont pas pris en C3. Ils ont joué le coup des trois. Ils ont joué D3. Alors pourquoi ils jouent D3 Eh bien, tout simplement pour gêner le développement des pièces blanches. Après tout, les noirs, ils savent qu'ils peuvent perdre le pion D3, mais ils auront toujours plus de pions. Et se disent bon, bah, quitte à avoir un avantage matériel, vaut mieux avoir un avantage peut matériel peut-être moins grand que ce qu'ils auraient pu obtenir, avoir peut-être moins de pions, mais que les blancs ne puissent pas les attaquer aussi facilement. Et l'idée de se pousser D3, c'est de laisser le pion C3 aux blancs. Comme ça, le cavalier n'aura pas accès à cette case. Et puis, si le fou prend, eh bien, il sera détourné de son action sur la diagonale. Alors, c'est vrai que la dame pourrait prendre, mais j'ai pas oublié de vous dire que le pion C3 ne faisait pas que obstruer la case, il obstruait aussi la diagonale. Hein. Le fou pourra pas aller en B2, par exemple. Donc, les noirs, passent cette poussée des trois, ils essayent de, de rendre un pion euh, pour essayer d'amoindrir les, les chances dynamiques des blancs, en fait. Hein. Alors, les blancs, ils ont quand même joué dame B3. En fait, ils vont totalement mépriser le pion des 3 Ils prennent même pas le temps de, de le prendre, ce pion. Et ils attaquent, bien sûr, F7. Dame F6 a été jouée. E5, on repousse la dame qui vient en G6. Et tourne. Les noirs jouent cavalier E7. Ils se développe. Fou A3. Donc, le, la paire de fous ici pointe vraiment en direction de, du, du roi noir. Et que va faire Dufresne Eh bien, on pourrait s'attendre à Petit roc. Mais c'est pas ce qui va être joué. Alors bon, sur Petit Rock, je pense que Adolf Anderson se serait développé un peu comme dans la partie ce qu'il a fini par faire, c'est-à-dire jouer cavalier en D2. Ce qui met les tours en liaison. Et puis lequel cavalier D2 pourra bondir en E4. Sous protection de la tour, le cavalier en E4 pourra menacer des, des, peut-être des coups d'attaque, et puis le cavalier en E4 permettra euh, de, de masquer la défense de la dame noire sur le pion, et le fou pourra prendre en D3. Pourquoi c'est intéressant de prendre en D3 après C'est-à-dire qu'il pointera en face de, de la dame, donc ça mettra en insécurité la dame noire. Donc euh, voilà, je pense que sur Petit Rock, il y aurait eu cavalier D2 avec cavalier E4, fou prend D3, et c'est un peu d'ailleurs ce qu'on qu va assister dans la partie. Sauf que dans la partie, après x 3 les Noirs n'ont pas ok. Dufresne va décider de jouer B5. Alors pourquoi il joue B5 Pourquoi il offre le pion B5 De toute façon il a offert le pion D3 qui n'est pas pris par les Blancs, donc il offre le pion B5. Et là c'est difficile de le refuser, puisque le fou, il ne pourra pas se maintenir sur cette diagonale de toute façon. Donc il faut prendre en B5. Et l'idée c'est que si c'est le fou qui prend en B5, il va être retiré de la, de, de la diagonale offensive, bien sûr, et puis il va y avoir des coups comme tour B8 avec des clouages. Le fou ne peut plus vraiment bouger, il y a la dame derrière, vous voyez. Alors, donc après B5, c'est la dame qui a pris. Mais du coup, la dame ne s'associe pas avec le fou dans, dans l'attaque sur la, sur la diagonale, et puis la dame peut être prise pour cible. C'est ce qui se passe d'ailleurs, tour B8. Ça va permettre, vous voyez, ce coup B5, ça, ça va permettre tout de suite d'ouvrir la colonne pour la tour, mais également de donner la case B7 pour le fou. Donc chacun des joueurs, finalement, méprise totalement les pions dans cette partie. On veut mettre les pièces. Au combat, le plus rapidement possible. Donc la dame est venue en A4, le fou vient en B6, le cavalier vient en D2, voilà, et le fou vient en B7. Et donc on a une partie très offensive, on voit bien que, vous voyez, il y a des flèches comme ça, il y a un trident offensif sur les diagonales de la dame et des, de, la, de la paire de fous, il y a les cavaliers qui peuvent se joindre à l'attaque, les, les tours sont en liaison, on a le pion en E5 ici comme. Euh, comme un bélier de combat prêt à frapper les, la position noire. Mais les noirs ne sont pas dépourvus non plus de menaces. Hein. Il y a la dame qui est en vis-à-vis -vis avec euh, le roi blanc. Ça veut dire que le pion G2 est cloué. On a également une paire de fous en direction du roi blanc. Euh, Peut-être que des cavaliers noirs aussi peuvent s'associer à un moment donné dans l'attaque. Donc c'est une, une position particulièrement tranchante. Mais c'est au blanc de jouer. Et c'est Anderson qui manie les forces blanches. Et il joue cavalier e 4. Bon. Alors, ici, on pourrait s'attendre quand même à un moment donné à ce que le roi noir fasse petit rock. C'est pas ce qui a été fait encore. Et euh, les noirs vont jouer dame F5. Bon, là, avec Cavalier E4, en réalité, Anderson est en train de, de faire déjouer Dufresne, qui va un petit peu perdre le sens de la partie. On va essayer de comprendre pourquoi, d'ailleurs, il fait pas petit rock. Il devait craindre fou des trois avec euh, voyez, cette découverte possible. On menace par exemple Cavalier F6 échec, et ensuite le fou pourra éliminer la dame. Et si la dame vient en H5, Cavalier G3, la dame n'a pas beaucoup de cases, elle a encore la case H6, mais le fou peut être réaiguillé en C1, avec des attaques comme ça. La dame a la, encore la case E6, mais à se faire sceller sans arrêt. Cavalier G5, on attaque la dame, on attaque H7. En même temps, la Dame Blanche peut rejoindre les rois, rejoindre le combat de la taxe sur le roi par Dame H4, et finalement, les Noirs vont, vont certainement s'écrouler dans cette position. Alors voilà pourquoi, après Cavalier E4, Dufresne n'a pas voulu faire Petit Rock, et il a joué Dame F5. Mais Fou prend des trois quand même, avec ce vis-à-vis -vis Fou Dame, qui vient en H5. Alors là, Anderson, il va jouer un coup qui n'est pas tout à fait correct, mais la suite va être tellement jouissive. Qu'on ne peut que s'enthousiasmer de ce qui va se produire. Anderson, il va jouer le coup ici cavalier F6 échec. Alors on le comprend, hein, le cavalier fait la fourchette royale, il attaque la reine et le roi, et en même temps on se dit que si le pion G prend, le pion E prend, est-ce qu'il va ouvrir la colonne d'attaque sur le roi noir Et c'est ce qui va se passer, hein, G prend F6, pion prend, donc il a sacrifié un cavalier, mais en réalité le cavalier 7 il est perdu aussi, puisqu'il est cloué et attaqué par le pion, le fou et la tour. Alors, Dufresne, euh, il va contre-attaquer parce que l'absence du pion G7 va permettre de jouer tour G8 et d'obtenir l'ouverture de la colonne G. On sait que la dame est pas loin, ça va menacer peut-être des dames prend cavalier ou des dames H3, on a la paire de fous qui visait également, donc euh, c'est très tendu, c'est très tranchant cette position. Et là, Anderson va jouer tour D1. Bon, il met sa deuxième tour au centre, et euh, Dufresne ne va pas sentir le danger. Il ne va pas voir ce qui se trame contre lui. En réalité, Anderson a préparé une attaque de maths magnifique. Mais Dufresne ne la voit pas. Et il va faire Dame prend cavalier F3 et s'empare du cavalier en F3 en menaçant le mat en G2. En réalité, c'est Dame H3 qu'il fallait jouer. On attaque G2, mais pas en prenant le cavalier. Il faut aller en H3. Alors, vous allez comprendre pourquoi bientôt, mais je ne le dis pas tout de suite. Je ne révèle pas la, le pourquoi tout de suite. Donc après tour D1, c'est Dame prend F3 qui a été joué. Anderson joue tour prend E7 échec, sacrifice de qualité. Donc euh, le cavalier reprend. Et maintenant, je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause pour trouver l'attaque de maths magnifique d'Adolf Anderson. Quel coup il a joué Comment il a construit son attaque Alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause et puis on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite Alors l'attaque de maths magnifique va être basée sur Dame prend D7. Le sacrifice de dame. Sacrifice d'attraction d'idée, ça va être d'attirer le roi en d7. Et le roi est contraint d'aller en d7 parce que s'il vient en fuite, eh bien évidemment, on va faire fou prend cavalier ou dame prend cavalier et ça sera mat. Donc dans la position, roi prend dame en d7. Et le roi est maintenant sous le viseur de la tour. Donc si on bouge le fou, il va y avoir échec. Mais il faut que le fou bouge sur double échec parce que n'oublions pas que les noirs menacent de prendre la tour aussi. Et Anderson va jouer fou f5. Double échec. A noter que fou b5, double échec ici, ne va pas marcher. Certes, on attaque le, avec le roi, avec le fou et la tour, mais ça va permettre au roi de venir en e6 et de pouvoir s'échapper dans la position. Donc il faut venir faire échec en f5. Alors vous allez me dire, oui, mais. Ok, il y a double échec. Le fou, la tour attaque. Donc on ne peut pas prendre le fou, on ne peut pas prendre la tour, puisque le roi doit forcément bouger. Quand on subit un double échec, on n'a pas d'autre solution que de bouger le roi. Alors vous allez me dire, oui, mais. Sur Fou B5 échec, le roi s'enfuit en E6. Donc sur Fou F5 échec, le roi s'enfuit en C6. Eh ben non. Si le roi s'enfuit en C6, il y a le mat. Vous l'avez vu Fou D7 échec et mat. Un magnifique mat avec la tour qui protège le fou et les deux fous comme ça qui coincent complètement le roi. Ok, alors sur Fou F5 double échec, il faut bouger le roi. Alors si on vient pas en C6, il faut venir en E8. Mais là, il va y avoir Fou D7 échec. Force roi F8. Enfin, force, non. On pourrait venir en D8. Mais là, il pourrait y avoir pion prend cavalier ou fou prend cavalier. Mais pion prend cavalier, c'est un très beau mat, quand même. Et ce roi et fuite, c'est donc fou prend mat. Magnifique. Comment le roi noir se fait mater alors que les noirs avaient déployé des forces considérables dans l'attaque du roi blanc. Ça se joue vraiment à rien. Si on lâche l'initiative, on a perdu avec les blancs, évidemment. Donc, une magnifique attaque de mat. Le joueur Xavier Tartakover avait affirmé qu'il s'agissait euh, d'une attaque de maths peut-être unique, finalement, euh, dans la littérature échiquéenne. Au travers de cette partie, mais également de la partie de la vidéo euh, que je vous ai euh, faite avec euh, Kieseritsky, je pense que vous avez touché le génie d'Anderson. On peut se dire, mais comment peut-on jouer encore mieux que lui Eh bien, six ans après cette partie, Anderson va être battu, lui aussi, sèchement, dans un match, contre un autre joueur. Pas contre n'importe quel autre joueur, contre Paul Morphy.